répond Freaky. Ça remonte à peu près à un an et demi, quand je suis allée dans des clubs de travestis à Londres et que j'ai rencontré mes alter ego scéniques et que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la pop et en même temps, je veux être assez kitsch et je veux porter des paillettes. Après, moi, j'ai des influences assez théâtrales ou cinématographiques. J'aime beaucoup le travail d'un homme de théâtre qui s'appelle Pippo Del Bono. Et j'aime aussi beaucoup David Lynch pour changer, pour être original. Côté musique, j'aime bien David Bowie. Et j'ai eu ma période Björk quand j'étais très jeune. À vrai dire, c'est une demande d'une de mes queens qui s'appelle Maccabée, sortie janvier 2012, qui m'a dit qu'elle voulait absolument que je reprenne cette chanson parce qu'elle pensait que j'y arriverais pas. Elle m'a dit, tu vas te casser le nez sur cette chanson. Et je l'ai écoutée, je l'ai trouvée, j'ai beaucoup aimé cette chanson et j'ai essayé de m'y confronter et puis finalement j'ai gardé cette reprise. Donc merci Maccabée. Ça commence souvent par la musique, très souvent par des rythmiques d'ailleurs. Et puis ensuite, j'improvise, je chantonne jusqu'à ce que j'ai l'impression de trouver une mélodie que j'aime. Et puis après, les mots viennent toujours ensuite. Une espèce d'exaltation, le sentiment de pouvoir être plus que ce qu'on est et de pouvoir être plein de personnages à la fois et d'être heureuse d'être multiple. C'est comme une histoire qui nous habiterait ensuite pendant des semaines et des semaines et qu'on aurait envie de partager à tout le monde. J'aimerais qu'ils me disent ne redescends jamais, continue à rester dans tes fantasmes.